Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier. C'est un plaisir de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle opportunité dans laquelle il faut sauter sans regarder. Ezecta. Là, vous me croyez? Non. Non, non, faut pas aller, hein. Encore, même comme Bruxis, Ezecta, il faut pas aller. Non, non. Je m'explique après le générique. Et alors, est-ce que tu es abonné à la chaîne? Vas-y, n'hésite pas. De cette manière, tu seras au courant de toutes les nouvelles opportunités ou des arnaques comme celle-ci. C'est pas plus mal de le savoir. Comme ça, tu auras la notification et tu sauras directement ce que j'en pense. En plus, ça fait bien avancer la chaîne. Et nous voici, les amis, sur le site Ezecta. Autant dire, éjecte-toi directement. Au moins, comme ça, tu auras tout compris. Enfin. Voilà, c'est l'endroit idéal pour vous. Évidemment, ils ne vont pas dire le contraire. Hein. Ça, on commence à avoir l'habitude. Alors, on descend, en savoir plus sur Ezecta. Ezecta est une société d'investissement mondial de premier plan qui gère plusieurs classes d'actifs. Nous visons à générer des revenus sur l'investissement attractif en suivant une approche patiente et disciplinée, en embauchant des spécialistes hautement qualifiés et en répondant aux normes de qualité les plus élevées et en harmonisant nos intérêts avec ceux de nos partenaires d'investissement. Ils doivent engager des beaux scripts pour écrire toutes ces conneries-là. Alors, les gars, ils ont 14 années d'expérience. Et encore une fois, c'est en 2021 qu'ils arrivent sur l'Internet. Hein. Avant ça, il n'y avait rien du tout. Alors, ils sont les meilleurs. Les clients sont au cœur de tout ce qu'ils font. Un accès mondial intégré et l'esprit d'entreprise discipliné. Alors, en dessous, nous avons les rapports de trading quotidiens. Alors, je ne vais même pas les ouvrir. Bon, si, on va l'ouvrir. On va voir si cela fonctionne bien sûr. Parce que souvent, leur site déconne. Voilà. Alors, on tombe là-dessus. Alors, s'ils arrivent à trader sur toutes ces icônes, ces symboles comme ils appellent ça, eh ben ils sont forts les gars. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez le nombre de trades rien que sur cette ligne-là, il y en a 5000, 1700. Et alors des pages et des pages et des pages. Et alors les gars, ils tradent sur les cryptos, sur le forex, sur tout. Mais il n'y a pas le Bitcoin dedans. Hein. Sur le Bitcoin, on fait rien. Ou à moins que ces deux-là soient Bitcoin. Mais ouais, bon. Ici, oui, Bitcoin. Deux. Donc sur tout, ils ont deux lignes de Bitcoin. C'est chaud quand même. Alors là, des pages et des pages et des pages, il y en a. Hein. Et on peut continuer comme ça. Bah, regardez ici, on descend. Ouais, il y en a énormément. 5, 64 pages quoi. Alors les gars, ils tradent 64 pages là en un jour. C'est pour ça qu'ils arrivent à faire autant de pourcents. Alors, on va voir la compagnie. Et à propos d'eux, la compagnie. Je vous le traduis en français, c'est plus simple. Voilà, c'est ce qu'on a dit tantôt. Alors les travails d'équipe, ça c'est leur stratégie. Un travail d'équipe, vous pensez bien, la consistance. Les relations, les rapports, l'innovation, la dominance, la diversité. Et c'est bien fait, hein, leur site. Il est beau. Hein. Et alors, un aperçu de notre entreprise. Donc, les gars, ils ont 14 ans d'ancienneté, enfin d'expérience dans leur truc de trading, etc. Mais alors, on commence la ligne du temps en 2019, quoi. On est en 2021, donc les 12 années avant 2019, on n'en parle pas. On s'en fout, quoi. Alors le voyage commence, prendre des initiatives pour recruter la plateforme d'affaires, développer des objectifs de stratégie pour le développement de l'entreprise et blablabla. Les positions de tête, modèle d'affaires. Et alors là, ils vont carrément en 2026 ouvrir une école de commerce, quoi, les gars. Ok, allez. Alors ici, les certificats d'organisation de bonne réputation et l'article d'organisation. À savoir que c'est une LLC, hein. Une Low Liability Company. C'est pas une corporation ou non, hein, c'est une LLC.
C'est la plus petite société qu'on peut monter aux États-Unis. Et d'ailleurs, une LLC, elle est ouverte en 24 heures. Donc voilà, ça c'est dit. Alors ici, le certificat d'organisation. Ben, vous admettrez que c'est un petit peu sommaire, non? Juste le nom Exacta LLC avec la signature et alors le gros montage sur le cachet, quoi. Ça, c'est du beau Photoshop, hein. Vous voyez que c'est pas la même couleur. Le sceau, il est ovale, quoi. Il n'est pas rond. Et alors un sceau, ça se met au cachet. Ça ne se met pas comme ça préétabli à la base. Ça, c'est un des documents. Si on regarde le deuxième document, voilà la même chose. Et si vous voulez regarder, la signature, elle est exactement la même. Le sceau, il est exactement pareil. Donc ces documents, ils veulent rien dire, les amis. Alors, on va voir les dépôts pour les investisseurs. Alors, ça ne vous dit rien? Ça ne ressemble pas à quelque chose que vous connaissez, ça, les amis. Honnêtement, allez. En dollars, Bitcoin, Ethereum au-dessus, des standards 1, 2, 3, 4, des... Non, allez, je vous rappelle, allez, j'ai repris une vidéo d'Impero, de la chaîne Impero, parce que la chaîne Impero, ils sont pas gênés, hein, ils la laissent encore, malgré que c'est une grosse arnaque, mais elle est toujours visible. Regardez. Donc vous voyez ici le premier plan de 16 jours. De 50 à 499 euros, 0,70%, 0,90%. Qu'est-ce qu'ils disent ici? À partir de 20 dollars. Et alors ils mettent 10, 7 jours. Ils ajoutent un jour, hein, parce que bon, c'était un petit peu juste avec 16 jours, alors ils mettent un jour en plus. 0,70, 0,90. Le suivant, le standard 2, ils appellent ça comment ici? Non, je ne sais pas, c'est pas marqué. À partir de 500 dollars, 26 jours, 1%, 1% 20. À partir de 500 dollars, 1%, 1% 20 en 27 jours, un jour en plus. Et alors, le troisième, c'est la même chose, hein, 3000, 36 jours, 1,30, 1,50. 3000, 37 jours, un jour en plus, voilà, oui. 1,30, 1,50. Vous trouvez pas ça bizarre? Alors, bien sûr, ça, c'est avec le dollar. Si on prend avec le Bitcoin, qu'est-ce qu'ils disent avec le Bitcoin? En 100 jours, eh ben, on a 100%. En 100 jours, on récupère sa mise, quoi. 1%, 1%, 30%. Je dois dire que le pourcentage, là, il est encore crédible, hein, c'est pas ça. C'est avec le reste qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, avec l'Ethereum, bon, la même chose. 1%, 1%, 30%, 1%, 40%. 2%, ouais, bon, si c'est du trading, on va admettre, quoi. Mais après, les amis, le premium. Déjà, le premium, il faut mettre. C'est quoi ça? C'est 100 Ethers. 100 Ethers jusqu'au maximum 5000 Ethers. Alors en 180 jours, ils font 430, 486%. Je ne sais pas comment ils font, hein, parce que s'ils arrivent à trouver des cryptos sur lesquels ils arrivent à faire autant de pourcents, et sûr et certain, bien sûr, parce qu'ils vous le garantissent, quoi, hein, ils vous le garantissent, ils disent pas, on va essayer ça, mais selon les fluctuations du marché, on n'est pas sûr, donc on vous dit 486, alors ça pourrait être 5, voire moins 10. Non, c'est pas possible, ça. Alors que ici, dernièrement, le Bitcoin et l'Ethereum, ils ont perdu combien? Oh, plusieurs jours, ouais, plusieurs 20, 40, ouais, 40% presque, 35, allez. Mais eux, ils y arrivent, hein. Il n'y a pas de souci, ils se posent pas de questions. Alors, on en est. Bon, on va prendre l'individuel. L'individuel, les amis. Ça, c'est magnifique quand même. Minimum 0,1 Bitcoin et maximum 65. Et alors là aussi, 180 jours, 270 dollars. C'est 270%. Voilà, la même chose. Alors que c'était exactement comme ça. Sur Ethereum, hein. Vous la remets si vous voulez. Ah ben voilà, regardez, c'est exactement la même chose. C'est le cadre, les dispositions des chiffres, tout est pareil, quoi. Alors on va partir sur la fac, on va aller voir la fac, les amis. Alors pour la fac, on va la mettre en français. Voilà.
pendant combien de temps Ezecta LLC est-il opérationnel? Pour répondre, bon, on peut aller se gratter et on peut aller voir nous-mêmes, quoi. Alors, quel montant maximum je peux retirer? Voilà, oui, bah, ils mettent ce qu'ils veulent. Que fait Ezecta LLC? Alors, la société effectue des transactions financières. La principale fonction de la société sont la diversification des opérations financières et la gestion du portefeuille financier qui comprend des titres, etc. Ben, ils vendent, ils achètent et oui, ben, c'est ce qu'ils disent. Hein. Et alors, évidemment, là, où puis-je trouver mon lien de référence? Là, n'hésitez pas à aller le chercher dans votre espace partenaire parce que c'est très important de ramener des gens pour qu'ils se fassent plumer après. Hein. Et si vous avez remarqué, c'est quand même light à chaque fois, hein, les réponses. Voilà, est-ce que je peux créer un groupe, une chaîne ou un chat? Eh bien, il faut lire ça. Hein. Vous devez nous contacter à l'avance et nous informer de cette action. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez ouvrir un groupe sur Telegram pour parler des hectares, bah, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous devez leur demander, quoi. Non, 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 hein, on n'est pas en démocratie, là, il faut leur demander. C'est les États-Unis, mais bon, soi-disant. Alors, la règle la plus importante du groupe, du canal ou de la salle de chat, doit être gardé privé et vous surveillez personnellement toutes les activités. Ceci est fait pour le confort et la sécurité de nos partenaires. Si ces actions sont violées, nous bloquerons votre compte jusqu'à ce que vous vous conformiez à ces conditions. Donc s'il y a des guignols, si vous ouvrez un groupe sans leur demander, bah, ils vous bloquent. Si quand ils vous donnent le raccord, il y a des gens qui font les guignols sur votre groupe, bah, ils vous bloquent. Et par la même occasion, ils gardent votre argent. Hein. Et puis... C'est eux qui jugent quoi, tout seul, hein. Il faut demander à personne d'autre. Enfin voilà les amis, c'est une petite... Ah oui, le programme d'affiliation, j'allais oublier. Alors là, ben, c'est quoi ça? Ça veut rien dire. Hein. C'est ouais, rien du tout, je sais pas. Même si on met pas d'argent, ben, on a 8% de je ne sais pas quoi. Oui, enfin voilà, il y a des lignes, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et ah ben voilà, encore même chose que Bruxis, hein. Sauf que ici il y a quoi? Il y a 12 lignes à peu près. Et ça part bien loin, bien loin, bien loin. C'est incroyable, les amis. N'allez pas me dire que vous allez tomber dans cette arnaque. Enfin, moi je vous aurais prévenu. Ça saute aux yeux aussi celle-ci, autant que Bruxis. Et alors ici, ils ont repris carrément les encarts, les chiffres, les nombres de jours, tout est similaire à Impero avec quelques petits changements, mais jusque Impero a scamé. Et maintenant, Ezecta, quelques jours après, arrive. C'est quand même fou, hein, ça, les amis. Vous ne trouvez pas? Et voilà, les amis, la vidéo est terminée. J'espère que vous n'allez pas sauter dans Ezecta. Je pense que vous avez compris là qu'il s'agit bien d'une arnaque. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo, les amis.